be happy. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Get that understood. Alors, j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors, pour les nouvelles papayas, laissez-moi vous introduire, parce qu'il faut un certain respect devant ce Pink Panta. Ok, donc en gros, Pink Panta, c'est mon peignoir, tout simplement. Quand je mets mon peignoir, ça veut dire que je vais essayer des vêtements et machin en live. C'est genre, vous avez ma réaction directe. Il n'y aura pas de filtre ni quoi que ce soit, je dis ce que je pense. Et voilà, si je m'attendais à ce que ce soit comme ça ou pas, si ça sert, si c'est parfait, si c'est un peu grand et machin, comme ça, ça vous aide tout simplement à faire votre shopping. Alors s'il vous plaît, j'aime beaucoup, beaucoup prévenir avant de vous lancer une vidéo mode, etc. haul, machin. Prenez uniquement ce dont vous avez besoin, ok? Si jamais, voilà, ça vous tape vraiment à l'œil, ok, un petit coup de cœur, ok, ça va, mais n'achetez pas tout, ok? Je gagne ce que je gagne et ensuite je prends une partie... Je dépense là-dedans ou alors tout simplement des fois ce sont des partenariats et machin. Donc, il faut pas nous suivre, nous les influenceuses et machin, ok? Il faut juste prendre ce dont vous avez besoin. Voilà, ça c'est pour un peu prévenir et puis vous ne verrez jamais de vidéos genre j'ai dépensé X euros. Peut-être que vous verrez des vidéos où je mets comme titre j'ai dépensé beaucoup dans je ne sais quoi ou machin. Mais vous ne verrez jamais de mon temps parce que je trouve ça un peu malsain. Donc, voilà. Ok, bon, on peut commencer maintenant. Merci à Madame Polly, entrez, bienvenue, bienvenue. Si au moins ces colis avaient des pieds, ce serait bien, hein. Seigneur. Oh. Ok, bon, ça commence déjà bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acheté le tournevis que j'ai mis en barre d'infos dans ma vidéo Vous savez de quelle vidéo je parle. Le tournevis commence à vieillir, mais... Oh, ah oui, 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 je me souviens de ça. C'est une sorte de robe comme ça. Ce sont des, comment on appelle ça, des pieds de poule ou je sais pas trop quoi là. Et j'ai trouvé ça assez classe. Alors voilà, comme d'habitude, je regarde en même temps que vous. Comme ça, vous avez ma première réaction. Qu'est-ce que j'en pense? Ça va, je trouve ça joli. J'ai l'impression que c'est un peu trop grand quand même. La longueur ça va, la longueur n'est pas choquante, donc vous pouvez clairement aller à un entretien comme ça. S'il y a un truc que je dois mentionner, que je dois absolument pas oublier ça parce que j'ai été choquée, bon choquée, regarde la meuf qui utilise des mots genre extrêmes. Les finitions c'est vraiment pas top, c'est genre il y a des films de partout, c'est pas des petits trucs qui dérangent vite fait, non il y en a vraiment beaucoup en fait. Peut-être que on devrait plier et donner un petit look, je sais pas, hein. On va essayer de trouver un truc. Ça me fait penser à, vous voyez quand vous allez par exemple chez le coiffeur et qu'il vous fait vraiment des coupes mystiques, tu rentres vraiment, tu plais. Et après tu restes genre 2 minutes devant le miroir et après t'arranges et ensuite tu te dis ouais finalement c'est pas si moche que ça. Mais je suis quand même un peu, un peu trop de cycles. Ça c'est trop de cycles, ok. L'été est passé, les abeilles doivent rentrer. Ok. J'aime beaucoup la matière. Je pense que ça ira parce qu'il y a un élastique. On va essayer de me prendre un haut. Ah oui, 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 je me souviens de ça. On va essayer le pull avec ce pantalon-là et on verra bien ce que ça donne. Si ça donne pas, bah voilà, au moins vous aurez vu la pièce. Maintenant, je vais regarder juste à côté pour voir ce que ça donne. Ok, attends. Le pantalon, là, il est vraiment très mignon. Bien sûr, pas avec ce top-là. J'aime beaucoup comme il arrive un peu à la cheville comme ça là. Il faut savoir que c'est un pull qui est un peu crop, il faut que je vous montre ça. Voilà, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pimenté, sucré ou alors Gloria, tu arrêtes ça. Ah ouais, mignon ça. Bon, j'aime beaucoup quand c'est crème comme par exemple ma veste que j'ai ici. Regardez, allez. Vous voyez ça, j'aime beaucoup quand c'est très neutre comme ça. Alors voilà ce que ça donne. Après je n'ai pas fermé le bouton parce que je sais pas, ils ont cette tendance en fait, Shein et Romo etc. Ils ont cette tendance à ne pas ouvrir, enfin faire un trou, que ce soit voilà au niveau de vos poches, c'est vous qui deviez, comment dire ça, ouvrir la poche. Mais sinon j'ai dû mettre une ceinture parce que c'est grand, c'est du S aussi, donc voilà et je fais du XS. Donc peut-être que c'est ça, on va regarder tout de suite au miroir. J'aime beaucoup le short, j'aime beaucoup le short. Et puis derrière, c'est pas court. Merci, ok, merci. Parce que des fois, les shorts, là, ça fait ça. Et ensuite, derrière, ça monte. Tu vois ça? Il est vraiment très simple. Et il y a ce côté un peu destroy que j'aime beaucoup.
Il est très mignon, les filles. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai regardé tout de suite au miroir avec vous. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit comme ça. Ça a l'air d'un manteau en fait en photo, mais c'est pas, enfin un manteau, une sorte de veste, gilet comme ça. N'est pas du tout, c'est vraiment un top je dirais parce que c'est fin. Il faut juste super bien le porter. Encore une fois, si vous voulez voir par exemple comment je porte l'une ou l'autre pièce que j'ai montrée, il faut regarder sur Instagram. Là je porte vraiment les pièces de manière comme ça. Donc il faut pas regarder toute la tenue, il faut seulement imaginer toi visionnaire. Ici les papayas sont des visionnaires. Oh, c'est cute. Après je m'attendais que ce soit un rien plus lourd. Encore une fois, le léopard, c'est vraiment à vous de bien l'habiller, ok, parce que des fois ça peut faire très cheap, et ça déjà ça vous aide un peu parce que la couleur elle est très calme, elle est très douce, c'est pas vraiment le léopard brut là avec le beige clair et machin qui est beaucoup plus difficile à habiller je trouve. Franchement je vous le recommande, surtout si vous êtes en cours. Ok. Ouh, ok. Non, franchement, très joli. C'est pas une chemise super super ample. On voit qu'il y a un peu de forme à la chemise, donc j'aime beaucoup. Et la couleur, est-ce qu'on en parle ou pas? Je mettrais bien cette chemise avec un pantalon genre pas de def comme ça. Ouh, il faut pas m'échauffer. Ah oui, juste. Juste, c'est avec une ceinture transparente comme ça. J'ai trouvé ça super joli. J'en suis sûre que c'est du S et pas du XS. Alors, ouais, c'est du S. Je sais pas, je vais l'essayer avec ça. Je trouve que ça donne très bien. On va voir. Alors. Ah ouais. Oh, ça c'est cute. J'aime beaucoup l'ensemble. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que ça donne bien. Ouh, yeah. J'ai même pas les gants. I don't have time. I'm back. I'm better. I'm popping. I'm glowing. Oh, look at this. Que quelqu'un vienne chercher sa femme. Oh, que quelqu'un vienne chercher sa femme. Non, je dis. Vraiment, les filles. Non, 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 non. Il faut pas déconner. Look, look at this. Sugar, my coco, butter, my bread. So, so one dance, this is the do. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Il y a peut-être une, deux papayas là, les haters. Qui vont peut-être dire que c'est pas joli, mais moi je trouve ça très joli. Et puis la ceinture, je sais pas si vous la voyez, elle est très transparente. Ce qu'on voit en fait, c'est juste le petit truc brun ici de la boucle en fait. Oh, ah oui, 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 oui. C'est une sorte de robe toute simplette comme ça. Ok, je vais regarder maintenant au miroir. Ah ouais, non. Je trouve que la robe n'a vraiment pas de forme. Elle est très... Mais j'aime beaucoup, ça irait vraiment à une personne qui est un peu plus en chair que moi tout simplement. Parce que là du coup ça va bien vous serrer. Je vais peut-être ajouter une ceinture pour voir ce que ça donne. Les robes, ceinture, c'est pas trop mon truc. Mais on va essayer. Voilà, j'ai pris celle-ci en... Comment on appelle ça? C'est une straw belt, c'est pas moche. C'est pas moche. Ouais mais... Je sais pas, ça me sert beaucoup trop. Ça me met pas en valeur, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez avec la ceinture et sans la ceinture. C'est vraiment une robe qui ferait plaisir à ma maman pour aller à l'église ou quoi. Bon, à l'église, je trouve que c'est un peu court. On va vraiment lancer l'eau bénite sur moi. Peut-être avec des talons, ça pourrait changer le tout. Attendez. Oh! Donc, avec les talons, ça change un peu le look. Ça donne plus de... Ouais, 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 ouais. C'est pas moche. Regardez comment j'essaie de me convaincre. Je pense. Je vais peut-être trouver un pantalon parce que bon, je vais pas me ramener comme ça. Genre, t'imagines la beau? Genre, tu te ramènes avec un truc long comme ça. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Non, je déconne. Je déconne. Je vais l'essayer avec un pantalon camo comme ça. Ah, c'est même pas. C'est une salopette. Zut. On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Bon, bah, je vais mettre un jean que j'ai avec ce top là, ok? Alors, voilà ce qu'il donne. Je n'ai pas vraiment attaché de body parce que j'ai juste la flemme, ok? Juste mis dans mon pantalon comme ça. Je m'attendais vraiment à ce que ça pende un peu. Je m'attendais pas à ce que ce soit collant en fait. Mais c'est un top qui est simple. Voilà, il n'y a pas à commenter là-dessus. C'est un top qui est simple. C'est très joli. Je trouve que c'est un très beau top. Alors je mets ça. Normalement je pense qu'elle doit être un peu oversized comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Je vais regarder maintenant parce que j'ai l'impression d'être un peu ridicule comme ça.
Donc je vais regarder au miroir tout de suite. Ah ouais, pas mal. Pas mal la veste. Après elle est vraiment très très oversized. Je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas à ça. Mais j'aime beaucoup la couleur. Et j'aime beaucoup les petites déchirures et tout ça. Là le col je sais pas trop. J'essaye de voir si j'aime bien ou j'aime pas en fait. Mais ouais, comme ça, ça change un peu le look du coup. C'est pas moche. Même avec ce... Dites-moi ce que vous en pensez, parce que là je suis en train de me battre pour essayer de me faire un avis, mais je verrais bien en fait, avec une autre tenue. Alors il y a la salopette camo. On va regarder à côté. Ça va. Attendez, là c'est un peu bizarre. Peut-être que c'est parce que j'ai un peu trop tendu, mais si je détends en fait, ça va genre tomber jusqu'ici, hein, donc... C'est un peu bizarre, l'arrière est quand même un peu bizarre. Puis j'ai l'impression que ça rend, vous voyez les bombas, tu bombas, ça rend ça un peu trop dans la platitude, tu vois, moi j'aime pas ça. C'est vraiment quelque chose qui met pas ma corpulence en valeur. C'est genre regardez ça, regardez la cambrure, la vraie cambrure. Faut pas me mélanger. Vous voyez ça, regardez ça. Je pense que ça c'est vraiment le truc que je mettrais avec une veste, vraiment pour cacher l'arrière. Après le bas... J'espère que vous voyez ça assez bien, c'est pas quelque chose qui sert. Et ça, je mettrais ça avec des bottines kaki comme ça, ouais. Regardez ça, c'est genre ça me manque de respect. Regardez, s'il vous plaît. Voilà, j'ai pris ça parce que j'aimais beaucoup, beaucoup le col. C'est pas un col roulé jusqu'au bout, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme s'il était ni coupé comme ça. Et ça, j'aime beaucoup parce que je trouve que les cols roulés, ça ne va pas. Ça me donne une forme de tête bizarre comme ça. On dirait que je ne prospère pas. J'ai besoin que vous voyez que oui, je prospère. Donc, tu vois, je monte le cou comme ça un peu. Donc, je dis n'importe quoi. Si vous voulez, je peux l'essayer hein, pour vous montrer. Mais il n'a rien de spécial. C'est juste un pull blanc avec un petit col. Juste un mini col, quoi. Alors je pense que c'est tout. Ouais, on va passer au deuxième colis. Tout le monde dit bienvenue. Le voici. Franchement la salopette elle me manque de respect. Je vous jure depuis tout à l'heure je me regarde, je me dis non ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Là je regarde comme ça, j'ai l'impression que tous mes pantalons se ressemblent. À chaque fois que je commande un pantalon, je me dis c'est bon cette fois c'est le jean. Il sera différent des autres et machin. Et je termine toujours par prendre le même pantalon quoi, enfin je sais pas, en plus c'est déchiré chaque fois au même endroit quand c'est déchiré. Déjà en le mettant là j'ai l'impression que ça ne va pas, mais pourtant le dessus ça sert assez bien. Ok c'est bon, on va regarder à côté. Non j'aime vraiment pas. C'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Non mais attendez. Supposons que... Attendez, je vais regarder d'abord l'arrière. Coupé. Cameraman, coupé. Bon, il n'y a pas de cameraman. Coupé quand même. L'arrière, là, manque de respect aussi. Là, c'est bizarre. Déjà, là, c'est grand, ok? Et puis, il y a ce truc ici que je comprends pas. J'essaie de comprendre, mais je comprends pas. J'essaie de méditer, mais je ne médite pas bien. En fait, ce qui vient gâcher le tout, c'est... The coochie area. You know, JJ. Je voulais un pantalon genre comme ça, avec lequel j'aurais pas besoin de mettre une ceinture. Saleté. Voici la prochaine pièce. J'en suis sûre que vous allez vous dire, ok Gloria, c'est quoi? Je le verrais bien genre porter un peu avec les épaules nues comme ça, ok? Et dans un pantalon genre boyfriend. Je vous ai convaincu ou pas? On va essayer ça pour voir un peu si c'est ce que j'avais en tête. Ah, j'aime bien les boutons. Les boutons sont en velours. Ah, c'est cute ça. On va dire qu'il y a tout de suite. Ok. Il y a du potentiel dedans. Ok, doucement. Attendez. Je vais me justifier. Je viens ici avec ma thèse pour essayer de débattre la chose. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Ok. Mais de toute façon, je ne comptais pas porter ça comme ça. Moi, je voyais ça vraiment genre comme ça. Et ça ne donne pas bien. Ça ne donne pas bien, mais pourquoi ça ne veut pas rester comme ça? Il faut aller doucement avec ça. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Attends, laisse-moi réfléchir. Peut-être genre avec un pantalon, genre un joggers comme ça. Bon, j'ai essayé d'arranger les gars, mais j'ai pas trouvé de solution. C'est pas beau.
Attendez, peut-être que si je prends une petite couette comme ça et que j'attache. Attendez, attendez. Vous voyez ceux qui ont rigolé sur... Attendez seulement. Attendez, j'ai pas fini. Voilà comment j'ai transformé ça. Que celles qui disent ici, rien, ouais, mais c'est pas bon, viennent se battre. Moi, je suis prête. Voilà. Non, j'arrête, j'arrête. Mais regardez ça. Like, tu peux rien me dire. Bon, il faut que j'arrête un peu parce que... ça se trouve, c'est même pas bon. Ça se trouve, c'est moi qui vois pas bien. Non, et ça look. Et ça look. Avec des bottines noires. Même si on n'est pas vraiment dans la saison, j'aime beaucoup les lunettes, genre voilà, par exemple pour les photos, des fois vous avez juste pas la tête qu'il faut, vous êtes juste fatigué ou je ne sais quoi, vous voulez juste votre photo et puis c'est tout. C'est brun comme ça, vous voyez pas d'ici hein, probablement, mais je vais vous les montrer. Voilà, là je pense que vous voyez bien, c'est brun. Je vais les essayer pour voir ce que ça donne. Ah, est-ce que quelqu'un peut me dire dans cette pièce qui a les teintes? Qui a les teintes? Même ceux qui regardent. Est-ce que vous avez les teintes? Vous n'avez pas les teintes. Personne n'a les teintes. Avec ces lunettes-là, on n'a pas les teintes. Regardez ces lunettes. Elles sont vraiment très jolies. Je les apprécie vraiment très, 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 très beaucoup. Elles sont très jolies. Je les recommande, les filles. Hein. On dirait vraiment que vous avez dépensé une sale somme. Je vois déjà que ma batterie, là, commence à s'affaiblir. Allez, je vais me brouiller. Allez, encore 1, 2, 3. 3 trucs, 4 sacs avec les bijoux et une paire de choses. Ah! J'ai dégoûté. Ok, bon, on va charger la caméra puis on revient. Promis, je vous passe en vous. Non, non, moi je pourrais pas. Ok les gars, donc on va essayer de speeder. J'ai mis un t-shirt blanc parce que je sais que je vais devoir essayer des vestes en jean. Donc ouais, voilà, je vais vite vous montrer tout ça. J'ai pas ouvert, ok. Je regarde au miroir en même temps hein. Alors franchement, nickel. J'aime la couleur, elle est sublime. J'espère que c'est aussi vibrant. C'est pas du tout rouge-orange ou rouge foncé. J'aime quand ça ne sert pas trop et que c'est pas trop trop oversize non plus. Bref, on va essayer la prochaine. Dites-moi si vous trouvez ça sucré, pimenté et mielé en mauve. J'espère que c'est exactement pareil, genre que ça taille aussi bien que celle d'avant. Je serais vraiment très contente. Ah oui, non. La veste ici, c'est même pas une veste en fait, c'est vraiment plus, comment dire, c'est plus léger que l'autre. Mais j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la couleur. C'est un lilas comme ça, j'espère que ça sort pareil en caméra. Et ça change de ce que j'ai l'habitude de porter. Mais c'est très joli, moi j'aime bien. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup. Prochain article, un pull. Parce qu'on arrive vraiment, ça commence... tout doucement à faire froid, mais des fois on a des petites feintes avec des 28 degrés et des 26 degrés qui ressortent, donc je comprends pas vraiment cette météo, mais voilà, je voulais d'un petit pull comme ça, un pull gris un peu chiné. J'aime beaucoup ce pull là je verrais bien ça avec par exemple une chemise qui ressort un peu, vite fait. Il tient vraiment chaud, genre, attends, c'est quel type de pull ça? Je vous promets qu'il tient genre super super chaud. C'est déconné, je l'enlève parce que voilà, mais en tout cas c'est un super beau pull et pour l'hiver, on sait jamais, voilà. Bon, je prépare l'hiver comme si c'était, ça allait arriver demain, mais voilà, c'est un pull à avoir en tout cas, je l'approuve mais mille fois. Niveau qualité, c'est vraiment épais comme ça, on dirait vraiment que ça vient pas d'un site chinois. Alors j'ai essayé le pull pour vous, je l'aime vraiment vraiment beaucoup, regardez ça, s'il vous plaît regardez le col. Il est vraiment très joli. Moi, je trouve ça super, super joli. Mais le seul truc que je dois mentionner, c'est qu'on voit comme un peu au travers. Vous voyez les lignes de mon t-shirt comme ça. Donc, je vous conseille de mettre quelque chose en dessous. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, en tout cas. Il est vraiment très, très beau, les filles. Elles sont superbes, les lunettes. Et je trouve qu'elles rajoutent ce côté un peu vintage comme ça. Regardez ça. Elles sont magnifiques. Alors j'ai pris ça comme bijou, mais ça c'est plus petit que je ne le pensais. Je pensais vraiment que ça allait être de grosses boucles, mais pas du tout, ok. Mais ça va, je suis pas déçue. Alors ça c'est aussi assez chouette, je trouve ça joli, juste pour un peu plus de détails, surtout si vous êtes une personne qui a les cheveux attachés souvent. Moi pas, mais bon c'est pas grave, hein. Je voulais juste tester. J'ai beaucoup de piercings, mais plus au niveau du haut de l'oreille, pas vraiment au niveau du bas, donc je voulais tester, pourquoi pas.
Et voilà, tout simplement. Alors, le dernier article, ce sont des chaussures. Alors. Ah, non, non, non. Les filles, si vous êtes vraiment dans tout ce qui est basket, comment on appelle ça, les chunky baskets, c'est-à-dire les baskets, elles sont vraiment un peu grosses et pas vraiment très jolies et machin, mais ça donne quand même bien. Moi, en ce moment, je suis vraiment dans cette étape-là, donc voilà, il y a des petites chunky chaussures que j'aime beaucoup. En fait, c'est plus la couleur neutre comme ça. Elles sont vraiment très jolies, elles sont grises, super claires, elles sont pas blanches ni beige, elles sont magnifiques. J'ai pris la taille 37, je vais juste enfiler mon pied dedans, j'ai pas de chaussettes, mais c'est juste pour tester, pour voir si ça taille petit. Ah ouais, clairement, ça taille un peu petit, donc je vous recommande de prendre la taille au-dessus, parce que là déjà j'ai pas de chaussettes et c'est comme ça, donc voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Cette batterie, vraiment, elle me manque de respect. Mais voilà, j'ai pu tout vous montrer. Je suis vraiment très contente d'être revenue dans cette base mode et tout ça. Si ça vous plaît bien, mettez des pouces bleus. Dites-moi Gloria, fais en plus et tout ça, ça me plaît assez bien. Et voilà. Bisous, bisous. Mouah. Hey, mama. Hey, le galélé, oh maman. Le galélé. Oh là là. They're causing confusion. They're causing confusion. So my baby forgetting my name, yes sir. I love you.